attention. Bloquez le frein. Mais bloquez le frein. J'ai pas envie d'être assiégé par les clochards. Dis donc, décidez-vous assez vite quand même, hein. J'ai des gens intéressés. Madame Galin, vous êtes pour l'annonce aussi. Je viens vous donner mon pouvoir pour la réunion de ce soir. Je serai pas là. J'emmène mon père au restaurant. C'est son anniversaire. Entrez. Vous avez une imagination si poétique. Ah, c'est mon univers. Toujours une cabane d'enfant dans le cœur, vous savez. Mais j'avais plein d'autres à vous montrer, si vous voulez. Non, voilà le pouvoir. Je me sauve. Voilà. Je vous ai indiqué mes votes. Surtout l'ascenseur. Ça fait des années que je me bats pour ça. Mon père ne peut plus grimper les étages, alors il ne vient plus déjeuner. Je serai obligée de vendre. Ben, vous pouvez compter sur moi, Madame Gana. T'es prêt? Je ne trouve pas l'horreur du jour. C'est pas grave, je l'ai. De toute façon, ce soir, on vote comme tout le monde. Dites, monsieur Da Silva, le loquet, quand est-ce que vous le réparez? C'est de pire en pire. Moi, il faut me donner l'argent pour acheter le matériel, monsieur Marshall. Ça sera évoqué en assemblée. Voilà. Vous savez qu'à l'époque de mon père, la copropriété se levait à l'entrée du syndic. Si, si. Ah, vas-y. Mais, restez assis. Bonsoir, monsieur Maréchal, monsieur Lacroix. Signature, là. Ça va comme ça? Très bien. Tu peux l'afficher? Où ça? Ben, sur la porte. Ouais. Il a peut-être suivi une chienne. C'est vrai qu'on pense, mais vous mettez pas le... On verra, ça se comprend. Non, il est pas là. Pardon. Ça, tenez. Bien le soir. Le quorum est atteint, ce me semble. Je déclare ouverte l'Assemblée générale des copropriétaires du 29 rue des Oursins. Madame Clos, secrétaire de séance, si vous voulez bien. Bien, peut-être pouvons-nous commencer par voter l'approbation des comptes. Qui est contre ? Nous avons un problème avec le poste produit d'entretien. Il a augmenté de 928 francs en une année. Mais ça reste raisonnable, c'est dans la moyenne. Je demande un inventaire général des produits d'entretien. Est-on sûr qu'il n'y a pas un trafic? Da Silva? Un trafic d'eau de Javel? Alors, qui est contre? Les comptes sont approuvés à l'unanimité, moins une voix. Nous pouvons passer à l'ordre du jour. Entretien courant, vous avez le devis de l'entreprise Bergeron pour la pose d'un loquet neuf. Chaque année, on reparle du loquet. Votons une fois pour toutes. Nous avons un problème de fixation. Notre loquet actuel, en fonte, il est plus ancien que moi dans l'immeuble. C'est du matériel à toute épreuve. Seulement avec quoi il tient? L'acier galvanisé, c'est bien, mais le laiton nickelé est beaucoup plus chaleureux et pas beaucoup plus cher. Il est vieux, il est rouillé, ce loquet. On peut attraper le tétanos avec ça. N'est-ce pas, docteur Diallo? Un coup de brosse métallique, de la graisse, et c'est un loquet qui fera encore 100 ans. 412 euros un loquet neuf. Pourquoi se priver? Aucun loquet au monde ne tiendra sans fixation. Si je peux en appeler à la confiance, en tant que président du conseil syndical, votez-moi du petit matériel de fixation et je m'engage pour un loquet qui ferme. 400 francs pose comprise. Qui est contre? Personne. 400 francs sont alloués à la remise en état du loquet. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, mais avec la physique du loquet... Que fait un locataire dans cette réunion? Monsieur Marigot a le pouvoir de sa propriétaire, Madame Pavlovitch. La pauvre, elle n'a pas beaucoup de visites dans sa résidence. Alors de temps en temps, je lui amène des calissons.
que mes parents sont à Aix. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'aller tout de suite à l'ascenseur. Alors, ce qui renchérit l'installation dans votre cas, c'est bien évidemment l'élargissement de la cage d'escalier, oui? Oui, je crois qu'un ascenseur serait très utile. Pour madame Chartreux, d'abord. Et puis, ça donnera du standing à l'immeuble. Vous vous rendez compte de l'effort financier? Et avec le ravalement qui va venir? Oui, dans 6 ans, quand même. Hein. On peut toujours tirer un peu. Oui, ça fait prendre de la valeur à l'immeuble. C'est indiscutable. D'autant que dans le quartier, bonjour, le mètre carré grimpe. Mais tant que la cour est infestée de clochards, un manteau pour l'hiver est une priorité autrement urgente. Mais c'est à l'ordre du jour. L'ascenseur, ça peut concerner tout le monde. Moi, j'ai mon fils. Vous savez, il a un métier formidable. Tout le monde est très content de lui. Mais à la maison, sa femme n'arrête pas de lui faire sentir. Vous savez, le moral, c'est important pour les gens comme lui. Alors je pensais le prendre chez moi, pour lui permettre d'échapper à cette femme qui lui fait un enfer. Mais sans l'ascenseur... Mais il existe des maisons spécialisées formidables, vous savez, où les proches peuvent partager la vie de la personne. Mais mon fils n'est pas mongolien. Il a un travail passionnant et peut très bien se débrouiller. Ce n'est pas le fauteuil, vous savez. C'est le regard des autres qui est dur. Les mongoliens, comme vous dites, ont aussi besoin de beaucoup d'amour, madame. Pas seulement d'ascenseur. Moi, j'aurais rien contre un ascenseur. Après tout, j'y passe pas mal de temps dans l'escalier. Si tu veux un enfant, l'ascenseur, c'est quand même plus pratique. Nous allons passer au vote. On aura déménagé depuis longtemps. Qui est contre? Vous avez 2 voix, n'est-ce pas? Je représente madame Ghana. Mais vous êtes sûre qu'elle est contre? La dernière fois, elle était pour. Non, c'était pour son père. Ah. Comme il vient pur. Ah, vous... Et qui est pour? Bon, l'ascenseur est refusé, à une voix près, mais c'est la règle. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Mais là, j'attendais un peu de solidarité. Nous ne sommes pas une association, chère madame. Alors, fermez. Et vous voir un coup. C'est toujours fermeture. Fermez. Oui, c'est une fête privée. C'est privé. Drôle de fête. Allez. Allez. Ils ont pas l'air de rigoler. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Eh ben. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Mesdames, messieurs, vous pouvez continuer. Merci dans les cours. Après ce petit intermède, mesdames, messieurs, nous enchaînons avec la 4e résolution à la demande de monsieur Bertil. Percement d'un escalier entre le lot 18 et le lot 21 pour faire un duplex des 2 appartements. Oui. Avec Miriclo, on vit ensemble depuis maintenant 15 ans, mais séparés. Alors on a pris la grande décision et Mireille m'a dit oui. Oui. Pour un escalier intérieur qui nous réunisse. C'est un moment important, j'en ai conscience. Mais j'ai fait faire les devis par un architecte et je ferai procéder à la pose de chevêtres qui consolideront la structure. Ça sera fait dans les règles de l'art. Si, bien sûr. Alors, percement d'un escalier intérieur entre l'appartement de M. Bertil et celui de Mme Clos, qui est contre? Inutile de faire voter les pour, je crois. 5e résolution, réfection de la 7e marche d'escalier entre le 4e et le 5e étage. Vous avez le devis de l'entreprise Perronnet. J'y vais jamais. Si personne n'est contre, le devis est accepté. Si t'avais fait la demande, toi, ça serait passé sûr. Moi, je dégage... d'antipathie. Je le sais.
Non, mais il faut dire... Qu'est-ce que tu fais pour te rendre agréable dans l'immeuble? Tu dis bonjour? Tu participes un peu aux activités? Qu'est-ce que je dis? Je suis antipathique. J'ai toujours su. Non, mais... Rugueux, oui. Jamais un sourire. Ta chambre reste en haut, ma chérie. On n'a pas eu l'autorisation de percer. C'était sûr, hein. Tout est porteur dans ces vieux immeubles. Même le plancher. Papa me l'avait dit, hein. En tout cas, il y en a une à qui ça fait plaisir, c'est ta fille. J'achète du cola. Bonjour. Les mains, bien sûr. Ah, je voudrais que les mains ressortent bien. En étant mercurisé, le rendu sera très joli et c'est chaleureux. François, vous trouvez dur dans le travail? Dur? Non. Vous rigolez pas avec le boulot, c'est sûr. Le travail, c'est le travail, c'est tout. Dur et froid. On a une visite scolaire. Ça vous embête de vous en occuper? Il n'y a pas longtemps. On laissait tomber, on va demander à Chamoiseau, il adore les enfants. C'est les enfants qui m'aiment pas. Ils ont un instinct terrible. Bonjour, c'est ici. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous en prie. Alors, là, c'est la chambre. Voilà. Et là, c'est l'ouest. C'est là que je travaille. Bon, il fait toujours très clair, même en hiver. Vous avez eu des infiltrations? Ah non, 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 c'est réglé, ça. Les murs sont très sains. On a vu des clochards en arrivant dans la cour. Et à lui, madame, tu lui dis bonjour? Ah non, c'est un manteau pour l'hiver. C'est une association, ils distribuent des vêtements. Certains jours seulement, enfin, c'est pas une gêne du tout. Merci, au revoir. On peut rentrer chez vous une seconde? C'est mon locataire, hein, juste pour prendre le virage du palier. Allez, merci, hein. Jour. Samedi 28. Allez, venez, sans vous, c'est même plus la peine. Bon. Joli. Je sais apprécier, vous savez, je travaille en fonderie. Hein? Après des plâtres d'artistes. Un peu comme vous. Je m'occupe de la réalisation d'après-moulage. Bronze, cuivre, laiton. Ah bon, vous êtes fondeur en sculpture? Médailles et monnaies. Très haute précision. Un peu comme vous. Vous les faites en cire perdue? Si je les signais, je pourrais les exposer. Nous, on vient de faire un Jacques Prévert pour le centenaire. Des feuilles mortes, bronze éteint. J'en ai de très belles à la maison. Ça vous dit de venir les voir?
Oui, avec plaisir, à l'occasion. Pour le 28, je vous note. Je crois que tout le monde sera content de vous y voir. Moi, c'est gentil. Médaille à son revers. Oui, mais... là, c'était surtout le sens figuré qui était intéressant à traiter. Hein? C'est pour ça que vous avez eu deux. Ouais, je sais, mais... C'est mon beau-père. Il a absolument voulu m'aider. Ouais? Oui, mais alors là... c'est de la métallurgie. C'est pas de la philosophie. Là. Salut, Denis. Ton père est là, il a trouvé un job. Alors ici, la question qu'on vous pose, c'est... L'art doit-il ressembler à la vie? Bon, ça, Geneviève, c'est un vieux débat en Occident. C'est la vie qui doit ressembler à l'art. Bien, je vous présente mon fils Denis. Prends des poses un peu rimbaldiennes, comme ça, parce qu'il est en première année de lettres modernes. Qu'est-ce que tu bois? Un coca. Coca, et vous? Moi aussi. Michel, tu me prépares deux coca, s'il te plaît? Moi, je vais prendre un... Vous n'avez pas vu le procès-verbal de l'Assemblée? Parce qu'il a traîné là pendant 3 jours, et moi, il faut que j'écrive au syndic. C'est ça, c'est moi le compte propriétaire. Je te remercie de me le rappeler. Oui, tu sais, moi, ce genre de truc. Merci. Ce genre de choses, évidemment. Le café, l'immeuble, c'est pour les bœufs. Monsieur ne voit que son bistrot philosophique. Oui, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal avec le loquet. Hein? La taille du loquet, la fixation du loquet, la forme. Mon père m'aide un peu quand j'ai des problèmes avec la philo. Il est vraiment sympa, hein? Oui. Bon, il a quitté l'enseignement quand il a viré sa cutie. La couleur du loquet. Mais il adore ça. Point suivant. Inscription au pochoir sous le porche de la mention, la cour est interdite au vélo. Pas d'objection? Et les mobilettes? Et les motos? La cour est interdite aux deux roues? Vous allez remettre en location? Le problème, c'est d'en trouver le locataire. Lui, hormis sa santé, il était irréprochable. Jamais un loyer en retard. Il était si gentil, mais ces derniers temps, il faisait peine à voir. C'est bien pratique, le sida. Vous ne remboursez pas la caution. Ce que vous venez de dire est absolument ignoble, monsieur. Je propose qu'on mette aux voix une minute de silence à la mémoire de monsieur Jardini. Hein? Qui est contre une minute de silence à la mémoire du locataire de monsieur Bernard? Qui est pour? L'ordre du jour est très précis. Vous la prenez où, la minute de silence? Sur petit entretien? Divers, monsieur, divers. C'est fait pour ça. Merci de respecter une minute de silence. Cela fait sans respirer. Reprendre plus sereinement. Toute la copropriété doit-elle prendre en charge l'effacement de graffitis tels que Gros PD ou J'aime Geneviève? Les destinataires de ces inscriptions doivent être les payeurs. Et pour Marocon, qui va payer? Bon, franchement, je crois qu'il s'agit d'un point très subalterne que nous pouvons réserver pour la fin. Sixième résolution, rachat à la copropriété du WC du palier du quatrième par monsieur Varro. Oui, voilà, on voudrait annexer les toilettes. On va condamner la porte et puis abattre la cloison pour faire un cagibi. Comme plus personne n'a l'usage des WC collectifs. Si vous avez un problème de chasse ou de conduit obstruée,
Vous êtes bien content d'avoir un WC sur le palier. Vous êtes jeune dans l'immeuble. Vous ne savez pas les services que ça rend, les WC collectifs. Tu te souviens, Jean? C'est l'intégrité de la propriété. Hein. Bon, alors qui est contre, alors? Nous reprenons l'ordre du jour avec réexamen de l'entretien, nettoyage de l'immeuble, modalités et coûts. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que de nombreux immeubles font appel à des sociétés d'entretien et de maintenance qui divisent souvent les coûts par deux et assurent un service meilleur que le traditionnel gardien. Et M. Da Silva? Dans les petites unités comme la vôtre, il n'y aura à terme plus de gardien. C'est le sens de l'histoire. On fait quoi de la loge? Un local à poussette. Il n'y a pas d'enfants dans l'immeuble. Il y a le bébé de Mme Mazève. Les locataires, ça n'a rien à voir. Ah, local à poussette, vélo, caddie, c'est souvent un critère important dans le choix d'un achat immobilier. Hein. Si quelqu'un espère qu'il y aura bientôt des petits dans l'immeuble, c'est bien moi. Nous comptons d'ailleurs sur nos jeunes. Un immeuble sans enfants, il meurt. Mais un local à poussette peut être pris sur le local poubelle actuel. Monsieur Da Silva est très gentil, il me rend des services, je lui donne mes clés. Il distribue le courrier. C'est au postier de le faire. Il est là depuis 20 ans, ça compte. Il a essuyé tous les coups durs de l'immeuble. Et pour le petit entretien, être sur place comme lui, ça nous arrange bien. C'est bien simple. Monsieur Da Silva se croit au-dessus des lois de l'immeuble. Et puis quelquefois, il sent très fort la transpiration. Quand vous le croisez dans l'escalier, c'est suffocant certains jours. Ça prouve qu'il travaille, madame. Ça prouve qu'il travaille. La cour n'est jamais propre. Et pourtant, c'est son boulot. La cour ne pourra pas être propre. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème, un manteau pour l'hiver. Il y en a un qui a montré son kiki à ma mère. C'est quand même à lui d'intervenir. Intervenir comment? Avec des feuilles de vigne? Excusez-moi. On pourrait aussi revendre la loge. Allô? Ça ferait un très joli petit studio pour des jeunes. Et on pourrait se répartir le produit de la vente. Ça va, je m'amuse beaucoup. Ou alors la tribu au fond de roulement. Ça nous exonérerait d'appel pour un bon moment. Bon, il va falloir passer au vote, messieurs, dames. Hein. Mais je rappelle que malheureusement, il existe une législation du travail sur les licenciements. Da Silva nous tient. Qui est contre la désignation du cabinet Ruggieri pour diligenter une étude de faisabilité de licenciement du gardien? Au français, virer le concierge. C'est pas légal. Eh oui. Qui s'abstient? Un local à la poussette. Qui est pour? Ça t'intéresse pas. On a le temps. Ruggieri va encore nous piquer 5000 balles. Je vous propose de continuer sans prendre de retard. Il y avait un problème de cave, ça me semble. Oui, oui. J'ai la cave 28. Qui correspond au lot 40 sur le plan. Sur mon acte de vente, je me suis aperçu que c'était 42. Quelqu'un doit avoir ma cave et le lot 40 appartient à un autre. Comme je vais vendre, vaudrait mieux régulariser. Ah, c'est mademoiselle Julie Dalibert qui occupe le lot 42 des caves. Ah bon? Faites voir. Elle, hein. En attendant, c'est mademoiselle Picard qui semble en retard. Je propose de continuer. Elle est émouvante au milieu de ses dentiers. Non, j'ai jamais vu son cul. Bah non, elle est toujours assise dessus. On doit faire un échange de cave alors, ça peut être chaud. Hein. Ah non, moi, dans l'immeuble? Non, jamais. Hein. Même quand j'étais locataire. Non. Sauf que là, je vends. Alors, c'est comme un amour de vacances. Plutôt tentant. Non, on sonne. Ouais, je te laisse, j'attends des visites. Hein. Si tu veux être heureux, mon Dieu. Prends ton propriétaire. Bonjour, je viens vous voir pour le déjeuner du 28. Oui, qui y aura? Eh bien, monsieur Maréchal, la prothésiste du rez-de-chaussée. Ok, comptez sur moi. Mais c'est vous qui vous en occupez? Oui, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans la vie de l'immeuble. C'est important. Là, vous n'êtes pas rancunier. Après le vote de votre duplex, vous n'en pas fait de cadeau, hein? Oui? Oui! Non, ne vous inquiétez pas, oui. J'assure les visites jusqu'à 18h. Ah, c'est joli! À tout de suite! C'est vraiment le monde de l'enfance. C'est tout ce que j'aime. Il y a un gros marché, oui. C'est vous, ouvre ton cœur, donne ton sang. Fermez la porte, s'il vous plaît. Et vous savez que la médaille du donneur, c'est moi qui m'en occupe. Je travaille à la monnaie. J'ai jamais donné mon sang, moi. Je suis douillet.
Mais moi, je l'ai, la médaille, ça fait pas mal du tout. On a fait plantu en bronze. Ce qui est caractéristique du peintre, c'est la rencontre des horizontales et des diagonales. De là émane la force et l'idée de châtiment. Des questions? Non? Bon, alors, à mardi prochain. Bonjour. Bonjour. Oui. Voilà, j'ai un projet de café philo. J'aimerais commencer par un cours sur l'invention de la perspective à la Renaissance et le renouveau du regard philosophique. Alors, j'ai pensé que quelqu'un comme vous pourrait passionner le public. C'est vrai, j'en suis sûr. C'est un projet assez avancé déjà. Mais vous avez raison. On introduit la perspective et hop, c'est la porte de la métaphysique qu'on ouvre. Ah ben, regardez par exemple comment Veneziano joue avec un loquet. Un simple loquet. Il change complètement les perspectives. Regardez. Pourquoi un si gros loquet? Le loquet est là pour poser la vraie question de l'inconnaissable. Projet de café philo. Allez, on décolle, j'habite pas loin. Non, j'ai... C'était avec l'exomile, le whisky, je sais pas. Je sens pas très... Je suis en Rio. Complètement. Ouf. Un projet de café philo. Je commencerai par un cycle sur l'homosexualité dans la peinture en Renaissance. Je pense que ça pourrait intéresser les gens qui viennent ici. J'ai excellent contact au Louvre. Excellent. Le week-end en fait backroom, c'est largement suffisant. Alors ça c'est le néder d'une vulgarité absolue. Bonsoir, je suis Anne-Elisabeth Picard. Attendez, je suis le portier, moi. C'est vous. Bonsoir. Je crois qu'il est temps de passer au vote de confiance ou... de défiance. Mademoiselle Picard est arrivée, ce me semble. Désolée pour le retard. Un manteau pour l'hiver est au centre d'une polémique, on dirait. Monsieur Lacroix, je considère votre responsabilité gravement engagée dans cette affaire. Monsieur Virmont et son locataire ont plusieurs fois été rappelés à l'ordre, oralement et par lettre. Jamais vous n'avez pris le relais. Gravement mis en cause, je remets mon mandat à l'Assemblée et je passe la parole à mon successeur éventuel. Une action aurait dû être entamée il y a des mois. Il y a carence du syndic. Merci, cher confrère. Je m'appelle Anne-Elisabeth Picard. Je suis syndic de copropriété depuis 5 ans et j'ai passé auparavant 10 ans chez Pricewaterhouse Contentieux. C'est vous dire que les problématiques rencontrées par un immeuble comme le vôtre ne me semble pas insurmontable, si on les suit de près, évidemment. Si vous m'accordez votre confiance, moi, je m'engage sur une transparence absolue. Ça a toujours été ma méthodologie. Et je prends moi-même au téléphone mes copropriétaires. C'est ma déontologie. Thank you.
J'aimerais bien une note musicale. Ton nom, c'est comment ? Simon. Et j'ajoute que mes méthodes comptables sont celles des cabinets d'audit internationaux. Il est toujours difficile de défendre un bilan. Il n'a pas été répondu à vos lettres avec la diligence requise. Et vous êtes fondé à vous en plaindre, mea culpa. Il n'a pas été répondu à vos coups de téléphone, comme vous êtes en droit de l'attendre, mea culpa. Je vous dois des explications. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'année dernière, j'ai eu des problèmes de santé. Ben, c'est grave. Pourquoi le cacher? C'est maintenant derrière moi. J'ai eu une dépression. Ben, je ne le souhaite à personne. Le docteur Diallo sait ce que ça veut dire. Ça peut mener au pire. Enfin, c'est précisément dans ces moments-là que la confiance d'une copropriété comme la vôtre, c'est capital. Ça vous oblige à vous battre, à mériter l'attente qu'on met en vous. Vous avez eu quoi comme médicament ? J'ai été très bien soigné. Mais tous les médecins vous le diront, c'est l'entourage qui prime. C'est comme dans tout. Alors, vous nous annoncez tranquillement qu'il n'y a eu personne à la barre pendant plusieurs mois. Rassurez-vous, j'ai une équipe très soudée. Votre immeuble a toujours été piloté. Qu'est-ce que ça serait ? Il y a eu des dysfonctionnements, mais c'est derrière nous. On ne peut pas réclamer un certificat médical. On doit le croire sur parole. Si je devais renoncer à mon mandat, je voudrais vous dire toutes les joies que vous m'avez données toutes ces années. La comptabilité de l'immeuble est à votre disposition. Je répondrai à toutes les questions. Maintenant, comme il m'incombe de mener à son terme cette réunion, je vous propose de passer au vote. Nous allons appeler les votants nominalement. Qui est contre le renouvellement de la confiance dans votre syndic et pour sa déchéance, Monsieur Bertil? Madame Carlo? Docteur Diallo? Monsieur Luchet? Personne? Le syndic est maintenu. Sans sentimentaux, cher consoeur. J'ai personnellement repris en main le dossier Un manteau pour l'hiver, mais laissez-moi un peu de temps. J'ai notifié par écrit à M. Virmont que son locataire causait des nuisances graves. Que voulez-vous que je fasse? Au revoir. Il paye son loyer, il est chez lui. Il y en a qui pissent contre le porche. Et j'ai même senti une drôle d'odeur dans la cage d'escalier. J'ai vu un gros crachat sur le palier, ou alors c'était pire. J'en ai vu un une fois qui se... Non, non, Mireille, il y avait des petites bulles et des nervures, c'était un crachat. Oh. Mais ils vont fouiller dans les poubelles de l'immeuble, on en retrouve dans le milieu de la cour. Oh non, c'est... Oui. La Guérin, on peut pas le prendre? Bon, alors j'arrive. Redonne-moi l'adresse. Ok. Ouais, excusez-moi, messieurs, dames. Une urgence. Hypothermie sur la voie publique. Ça arrive avec le froid, ces temps-ci. Il y a des types qui dorment dehors avec même pas manteau sur le dos. Hein. Salut. Salut. Je dois y retourner au salon de la restauration. Samedi, tu pourras assurer le service. Sinon, je demande à mes parents. Demande à tes parents. Ok, merci. Et t'es resté jusqu'à quelle heure au salon? Tard. Il y a tellement de trucs à voir. Il faut une nouvelle machine pour les hot dogs. Tu peux en faire jusqu'à 8 en même temps.
Le petit Michel-Ange. Il était au salon de la restauration. Écoute, si on était des gens raisonnables, on remettrait à demain la grande scène. On va dire des conneries. Je me demande si Christine Boutin n'avait pas raison, finalement. La fidélité chez PD, c'est bullshit. Mais un truc beaucoup plus important pour moi, Michel, c'est la loyauté. Et là, tu m'as déçu. T'aurais pas 5 ou 10 francs? On n'a nulle part où dormir. On va où? Toi? Tu rentres chez toi? J'ai entendu bouger. Il vient de dormir au champ là-dedans. Nous, on voulait la condamner, cette porte. Le toxicomane, il cherche un point d'eau pour diluer l'héroïne. Je le sais, ça, figurez-vous. Mais c'est quand ils sont en manque qu'ils vous agressent. Ah, Da Silva, vous voilà. Faites sauter le verrou. Mais attention, il faut le faire une seule fois. À votre tête, monsieur Marshall. Avant d'être complètement ridicule, tu devrais sortir de là. Ces gens-là viennent des Pissotières, ils y retournent toujours. Quand je récapitule un petit peu tous les participants, je m'aperçois qu'effectivement, ça prend très bien. Et que ça rencontre un certain succès. Presque tout le monde sera là. Sauf le docteur Diallo, que ses activités... Donc, comme je disais, presque tout le monde sera là. Et je crois que c'est important que vous y soyez. C'est vous qui vous en occupez. Oui, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans la vie de l'immeuble. C'est important. Et puis, vous êtes vraiment pas rancunier. Je travaille à la Monnaie. Oui. Comme Georges Bataille. Comme les médailles d'artistes. Vous connaissez un peu? Non. Je peux en parler pendant des heures. J'ai ici, là, des catalogues. C'est pour vous faire une idée. Dans la nuit du 9 décembre, de 2h à 3h30 du matin, la locataire de M. Claviche a élu domicile sous le porche qu'elle a transformé en alcôve. Je trouve ça très bien écrit. Tout le monde le signera. Mais ce n'est qu'un brouillon, évidemment. C'est alors que nous fûmes alertés par des gémissements. Des hurlements. Des... Non. Des ululements. Des ululements. Ululements. Excusez-moi. Oh, attendez, je crois que c'est... Vous êtes frileuse? C'est un ami qui faisait de la montagne. Oh. Quand j'étais petite, il me faisait peur, mais là, je suis contente de l'avoir retrouvé. Si vous voulez, vous lavez les mains, il y a un évier juste là. Si vous voulez prendre une douche, hein,
Vous s'ennuyez pas pour moi. C'est lui ? Oui. Sur l'Annapurna. Je le connais, on dirait. Ah, c'est pas vous voir de temps en temps, oui. Si. Il a disparu dans l'Everest il y a 2 ans. Le toit du monde, c'était son rêve. On l'a jamais retrouvé. Un jour, la montagne nous le rendra. Mais c'est dur de faire le deuil en attendant. Vous voulez du sucre ? Non, merci. Mais vous veillez chez moi. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop incommodé en me baladant à poil. Non ? Je suis plutôt nature comme garçon. Alors. Vous savez, on a souvent les yeux baissés dans mon métier. Et vous faites quoi avec ça ? Je la fais tourner. Sensualité du laiton. Musset. Vous savez, moi aussi, j'ai dû pardonner. Il faut savoir pardonner. Oui, mais moi, je fais que ça, pardonner. C'était la première fois que ça arrive, mais je pardonne. Et vous encore, les incartades n'ont pas de fruits. Moi, après, faut les élever, les aimer. Avec moi, elle n'en voulait pas. Regardez mon Zéphirin Camélina, directeur de la Monnaie sous la Commune, ancien ouvrier bronzier. Il y avait Basile, meneur indomptable, Camélina, orgueil du pays. C'était quand même un bien joli mitage. Ça vous amuse ce déjeuner, vous ? C'est-à-dire, il faut resserrer les liens. Je m'en suis aperçu avec le vote pour mon escalier. J'étais trop distant. C'est à cause de l'autorisation de percer que vous vous emmerdez ? Mon escalier ne nuit à personne. Et dans mon cas, j'ai dû braquer les gens. Peut-être que je suis pas assez liant. Mais qu'est-ce que vous emmerdez ? Percez-le, cet escalier. Personne ne viendra jamais rien vous dire après. Il faut que ça sera fait. Ben oui, un droit, ça se prend. D'accord ? Décidez-vous assez vite quand même, hein. La peinture de la cage d'escalier a été votée. C'est bien, c'est sûr. Faut le voir toujours. Mais la soupe populaire en bas, c'est quand même gênant. Ça draine une faune. Il faudrait distribuer des vêtements, des gens très sympas. Il y avait du vomi sous le porche. C'est pour notre fille. Alors un immeuble comme ça, c'est niette. Dites, ce qui serait sympa, c'est d'aménager des horaires pour vos distributions. Parce que ça fait du va-et-vient. Je prends un exemple. Quelqu'un veut faire visiter son appartement ou n'importe quoi, ça peut gêner les gens. Surtout qu'ici, ils sont un peu... Hein? Ceux qui viennent ici, ils sont dans la rue. Ils n'ont pas d'horaire ni rien. Faudrait que ce lieu, ça leur ressemble. Dites, ce qui serait sympa, c'est d'aménager des horaires... Faire visiter l'été, votre appartement, pas l'hiver. Merci. Il y en a qui te le fait vraiment le chiffon à godasse. Moi, j'y vais. Hein? T'as plus besoin de moi? Sûr, hein? No problème. À demain. La première chose que vous ayez à faire, c'est une pétition. Vous l'adressez au locataire, avec double à la préfecture. Mais vous avez entendu Monsieur Diallo? Moi, je vais pas signer une pétition contre les crèves la faim. Enfin, c'est pas normal que le froid tue à Paris. Nous ne sommes pas là pour refaire le monde. Ah, c'est facile d'être généreux quand on n'habite pas sur place, mademoiselle. Enfin, M. John Mohume fait un travail de solidarité, de proximité. Moi, je ne peux pas signer contre. Non, ce qu'il faudrait, c'est lui aménager ses horaires, hein, et ses jours d'ouverture de son truc. Il
fasse un effort, quand même. Il y en a qui se déboutonnent dans l'escalier. Moi, j'ai une fille. Pétition avec double à la préfecture. Moi, j'écris à l'hygiène. Puisqu'on en est aux nuisances, je voudrais évoquer la locataire de M. Clavic, qui nous a régalé d'un concert de hurlements. Ça résonnait sous la voûte. Ça m'a plutôt plu. Vous ne vous levez pas le matin? J'habite au-dessus de chez elle et je peux vous dire que les conduites d'eau transmettent tous les bruits. Oui, si vous collez l'oreille. L'autre jour, pendant 3 heures. Vous passez 3 heures l'oreille collée au tuyau, vous? J'écoutais pour savoir si elle fait payer ses services, figurez-vous. Parce que si c'est une professionnelle... Elle simule trop bien pour une professionnelle. Hein. Autre petit problème. Cet immeuble n'a aucune protection contre les ondes électromagnétiques. J'ai habité près d'une ligne de haute tension et je peux vous dire... Attendez, ce point n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Il est prouvé que si vous avez des plombages dentaires, hein, ça fait antenne. Vous êtes locataire mandaté, vous ne dirigez pas la réunion. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un souvenir, si vous permettez. J'avais un immeuble, avenue Trudaine. On avait loué une salle de restaurant un samedi pour un déjeuner avec toute la copropriété. Les épouses, les enfants, une ambiance chaleureuse, familiale. Les gens avaient fait connaissance. Eh bien, vous n'imaginez pas le changement survenu dans cet immeuble. Du jour au lendemain, c'était devenu une communauté soudée. Des liens s'étaient créés. Et je n'ai jamais vu dans une copropriété autant de votes à l'unanimité. Mon rêve serait de répéter cette expérience. C'est le chien du 26, il a joué avec, j'ai couru après, mais... Oh non, vous inquiétez pas, c'est intact. Oh, j'y pense. Le 28, on fait un déjeuner avec tout l'immeuble, enfin, avec toute la copropriété. Oh, ce serait bien que vous y soyez. Et qu'est-ce que je dois faire? Déjeuner avec nous, tout simplement. Mais je ne suis pas un copropriétaire, hein. C'est différent. Je suis seulement le gardien, c'est tout. Ah non, mais c'est un déjeuner pour resserrer les liens entre tous les habitants. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient au carrefour des relations dans l'immeuble, c'est vous. Merci beaucoup. Hein. Je suis un simple employé. Hein. Sans vous, c'est plus pareil. Dans un immeuble, c'est une copropriété plus un gardien. Allez, faites-le pour moi. Merci. Ah, merci moi. Hein. C'est pas ses oreilles. C'était un joli fox terrier tout bouclé. Mais ça, c'est la rue, madame. La rue, c'est terrible, vous savez. Prenez-les dans vos bras, vous allez voir. Allez, mon sérieux. Ça, c'était moi. C'était avant. Vous m'auriez reconnu? Sérieux. Non, c'est pas lui. Mais... Attendez, je... Regardez le tout. Sérieux, il fait pas de la gueule. Bon enfant, hein? On aime pas les animaux. Mon gâteau, mon Dieu. C'est bien, hein? Mais qu'il n'y ait pas de local à poussette, ça nous embête. Franck circule à vélo. Il s'en est déjà fait voler 3. Ah oui, mais la récupération de la loge du gardien était prévue. Un local à poussette et vélo, allez. Je vais vous montrer où c'est. Voilà. Bon, le temps de licencier le gardien, vous comprenez, pas traîner. Hein. Madame Chartier, attendez. Il faut que je vous la donne. Je la garde depuis l'été dernier. Sinon, je vais finir par la boire. Hein. Non, madame Chartreux, chez vous, c'est l'étage au-dessus. Oh, je suis bête, je me trompe toujours. C'est la tête. Mais non, vous êtes comme moi. Vous êtes distraite. Vous avez vu ma fille?
la réunion. Oh, la barbe. Ce qu'il faudrait à ma mère, c'est un allongement du temps de la minuterie. À chaque fois, elle se retrouve dans le noir. Moi, je dis qu'il y a un problème de sécurité à cause des vieilles personnes dans un immeuble. Bah, avec le gaz, un moment de distraction et on fait tout sauter. L'explosion dans le Val d'Oise, il y a un mois, c'était ça, une vieille dame et son réchaud. Bah, avec le gaz, c'est des suicides le grand problème. Les gens ne pensent qu'à eux. Ma mère n'a plus toutes ses jambes, mais elle a toute sa tête. Demandez au docteur Diallo. La solution consiste sans doute à lui acheter un four électrique avec des plaques à induction vitrocéramique. Mon Dieu, sa gazinière ? Mais c'est tout ce qu'elle a de cher au monde. Ça fait 40 ans qu'elle l'a, sa gazinière. On pourrait faire supprimer le gaz dans l'immeuble, ça réglerait le problème. Ces immeubles, ils sont nés avec le gaz. On ne peut pas tirer un trait sur 150 ans d'histoire. Bon, écoutez, même si ça coûte 3 francs d'ampoule et 10 francs d'électricité par an, on peut offrir à Madame Chartreux la lumière pour rentrer chez elle, c'est tout. Et même si cela coûtait plus ? S'il arrivait quoi que ce soit. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Smaller than life, so limpid in life, kinda like a boxer after a heavyweight fight. Oh, knocked out. Baby got me feeling knocked out. Good as a knife, she left me feeling much of all of that life. I'm smaller than life, wrapped up all tight. Merde, tu peux pas faire gaffe. Baby got me feeling jacked up. High as a kite, she left me reeling. Oh, much smaller than life. Tell me one time. Maintenant, il m'appartient d'aborder un sujet pénible. La dette accumulée par Madame Villeroy auprès du syndicat. Alors, madame, la patience dont cette copropriété a fait preuve à votre égard a maintenant atteint sa limite. Et que comptez-vous faire ? Je pense rembourser petit à petit. J'ai trouvé un emploi. Oh, assez de parole, madame. Voilà 3 ans que vous ne répondez pas aux appels de charge. Et votre compte est débiteur de 43 228 francs. Vous nous obligez à entamer une procédure dont l'aboutissement vous est connu. C'est la mise aux enchères judiciaire de votre appartement. Ni plus ni moins. À la mort de mon mari, j'ai dû tout mettre en liquidation. Aidez-moi à vous aider, madame. Hein? Aidez-nous à vous aider. C'est un emploi définitif que vous avez trouvé ? Je suis en période d'essai, comme secrétaire chez un carrossier. Et on pourrait connaître votre salaire mensuel ? Peut-être que cet interrogatoire est suffisant, vous croyez pas ? 6700 francs, net, pour commencer. Vous comptez rembourser le syndicat avec ça ? Il va nous falloir un plan de remboursement échelonné, pas des paroles en l'air. Mais par la suite, j'ai l'espoir d'être augmenté. Et en attendant, en plus, le week-end, je travaille dans un océan banquet. Ça me fait un appoint. Un océan banquet ? Où ça ? À la Chaussée d'Antin. Avec un menu fixe ? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ah, madame Chartreux.
Nous avons mis sur pied un déjeuner. Il y aura tout l'immeuble, sauf les locataires. Nous comptons sur vous, bien entendu. Oh, vous êtes trop gentils, mes enfants. Mais avec une vieille comme moi, vous n'allez pas vous amuser beaucoup. On viendra vous chercher en voiture. Un déjeuner sans vous, il n'en est pas question. Qu'est-ce que ça sent? Oh, mon Dieu, le four! Mon gâteau! Oh là là! Vous êtes bon enfant, hein? Quand on n'aime pas les animaux... Mon gâteau! Mon Dieu! Ça sent pas le gaz, non? Ah ça, non. Ça sent pas le gaz. C'est une odeur de... Vous m'avez compris. Oui. Une forte encore, hein. Ça sent pas la rose. Mais vous sentez pas? Ça sent très fort ce que la reine va faire au fond du jardin. Ah oui. Ça sent la merde. C'est net. Docteur, quand on vous disait qu'ils faisaient leurs besoins, on était encore en dessous de la vérité. Jusque-là, ils se contentaient d'uriner, maintenant c'est leur latrine. S'ils faisaient leurs besoins, comme vous dites, on verrait quelque chose. Ah ça, ça vient du mur. Ça, c'est les chutes des canalisations. C'est la nôtre de merde. Ça pourrait bien être les chutes. Il n'est pas du tout investi dans la vie de l'immeuble. Comme s'il était au-dessus de tout ça. Il n'a pas réservé pour le déjeuner du 28, par exemple. Il est hautain. Très hautain. Et pourtant, si une copropriété n'est pas raciste, c'est bien la nôtre. Je deviens folle. J'ai l'impression que ça sent le gaz. En arrière-plan. Vous venez de la campagne, ouvre ton cœur, donne ton sang. Mm-hmm. Alors j'ai pensé que pour la médaille du donneur, si on voulait donner un aspect plus jeune. Non. Non. Nous, on recherche un style plus commémoratif, vous comprenez? Une médaille, c'est pas une affiche. Y a pas de malaise. C'est votre technicien qui a insisté pour que je vienne. C'est très très bien. Mais pas assez commémoratif. Bon, bah écoutez, on a perdu un peu de temps tous les deux. N'en parlons plus. Bertil, depuis 15 ans que vous faites de la médaille. Je suis désolé. D'habitude, il est beaucoup plus ouvert. Écoutez, je peux vous le dire parce que je vais quitter l'immeuble. Vous faites chier tout le monde avec vos médailles. Je ne veux pas être alarmiste, mais les nuages s'amoncellent au-dessus de votre tête, Madame Pavlovitch. On n'arrivera pas éternellement à reculer les gros travaux. Et alors là... Et permettez-moi de vous le dire, vous n'avez pas que des amis dans cette copropriété. Et alors, ici, ils sont toujours aussi gentils. Dites-moi, j'ai aperçu une ligne de haute tension. Savez-vous si le bâtiment est isolé des ondes électromagnétiques? Bon. Ah, je vais encore vous embêter avec mes papiers, là. Je lève mon verre au nouveau copropriétaire. Attention. Et c'est arrivé quand ça? Oh, ça a été très vite. La dernière fois, elle ne me reconnaissait pas. J'ai même dû remporter mes calissons. Vous aviez fait un petit viager? À l'aigle, entre vifs. Mais les impôts. Et moi,
Je suis né dans l'immeuble. Je m'y suis installé à la mort de ma mère. Madame Chartreux, votre gazinière, c'est ancien tout ça. Ils font des choses électriques, vous savez, avec chaleur tournante. Non, non, non et non. La gazinière, c'est vieux, mais j'y suis habituée. Mais maman, on va t'en payer une neuve. Non. Avec les vitraux céramiques, vous pouvez même faire rissoler des échalotes. C'est très précis. Ma gazinière, je la connais. Vous comprenez, depuis 40 ans. Je ne ferai pas ces trucs nouveaux. Ma gazinière, je mourrai avec. On mourra tous avec. Je vous annonce que le 29 rue des Oursins sera représenté en terre de feu par monsieur Varro. Merci. Vous avez eu votre poste finalement ? Eh oui. Je l'ai eu. Un observatoire très demandé. Un an à regarder les étoiles. Et vous l'accompagnez ? Vous savez, moi, les étoiles. Et vous, monsieur Da Silva, alors, vous allez au pays cet été ? Bah oui, j'ai ma fille. Elle est docteur. Ah ! Vous avez construit votre maison là-bas, non ? Ah, il est bouchonné. Avec mon balcon, je vous déjà qu'on paye les charges à sa place. Que nacido en España, por donde voy, de España vengo. De España vengo, de España soy. Ah, Madame Villeroy, prenez le café avec nous. Oui. Posez-vous un petit peu. Vous nous avez régalé, hein. Vraiment, c'était délicieux. Hein. Non, on se croise, on se parle jamais, alors c'est l'occasion, là. Vous voulez un petit peu de sucre? Oui, non, non, non. Nicole! Ah non, non, non. Les WC collectifs. Regardez! Non, la regardez! Oh regardez. Oh bravo. Génial. Merci beaucoup. Votre café, il est chaleureux. Et la fresque sur la vitrine, très réussie. Hein. Lui, son souhait, c'est ouvrir un café philo. On pourra boire en écoutant des conférences. Vous savez qu'il a été prof. Vous aurez sûrement beaucoup de gens de l'immeuble. Oui, j'initie un cycle sur homosexualité et perspective dans la peinture à la Renaissance. Mais bon, ça demande quand même un bon bagage. Voilà. Vous croyez que ça peut intéresser les gens de l'immeuble? Il faudrait encore qu'il veuille venir habiter chez vous, votre fils. Moi, quand j'ai quitté maman, le soulagement. Enfin, je vous dis qu'il ne peut plus respirer chez lui. Sa femme lui fait un véritable enfer. Et lui, en chaise, forcément. Je suis prêt à le voter, votre ascenseur. C'est 311 10 millième, n'oubliez pas. Ça passe. On appelle votre fils. Oh, merci. Mon chéri, c'est maman. Il y a un monsieur, très gentiment, il est prêt à voter l'ascenseur si tu es décidé. À venir habiter à la maison. J'avais d'autres choses, et puis mon père m'a mis dans les rails. Et en fait, c'est ce boulot de con qui m'a fait faire une dépression. Parce que je vous assure que la copropriété, c'est pas une humanité très reluisante, hein, ces histoires, mais le paillasson de gouttière, de... Dites pas ça, vous êtes un grand professionnel. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Hein? Vous savez qu'il y a une carrière sous votre immeuble? Si vous pouviez tous être engouffrés un jour. Non, mais dites pas ça, là. On est là, nous, hein? On est avec vous. Bon, je prends l'air. Attention, maintenant. Il faut être très concentré. Allez. Attention.
Attention. Attention, monsieur Da Silva, c'est dangereux. Un docteur vite. Satan. Il a des allergies connues. Je sais pas. Âge, prénom. Bon. On peut déjà retirer les éclats de la blessure, hein. Puis verrons si l'estomac est perforé. Si l'estomac est perforé. Ma fille, elle est docteur. Téléphone-là. Vous voyez, j'ai fait faire les études par un architecte. Il n'y a absolument aucun danger pour l'immeuble, à condition de respecter un certain nombre de précautions. Mais si on vous donne l'autorisation à vous, pourquoi on la refuserait à un autre, hein? Et à ce moment-là, on touche la structure et on en fait du gruyère de l'immeuble. Ne rêvez pas, vous n'aurez jamais l'autorisation. J'avais envie de pleurer. Enfin, il est pas mort, quand même. Moi, je trouvais que c'était bien de l'intégrer. Qu'ils comprennent tous qu'une société de nettoyage pourra jamais remplacer un gardien. Mais on voyait qu'il était pas très à l'aise. Une petite pièce, les amoureux ? Non, non, monsieur. On sentait qu'il voulait en faire trop. Et vous faites quoi, maintenant ? Ben là, je ferme l'atelier et puis je rentre. J'ai deux, trois choses à la maison. On dîne ensemble? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? T'es complètement givré? Je croyais arriver dans ta chambre. Enfin, c'était plus une cérémonie de du souvenir, plus qu'un enterrement, puisqu'on n'avait pas retrouvé le corps d'Olivier. Mais en tout cas, je peux te dire que tous les gars l'adoraient, quoi. Tu vis vachement dans le souvenir. Mais le prends pas mal. Tu devrais tourner la page. Ce serait pas lui manquer de respect. Même... au contraire. Tu veux passer la nuit ici? Tu sais t'y prendre, toi. Et quand est-ce que j'aurai le plaisir de te voir? Ben, je commence sur Blue Moonlight le mois prochain. Mais bon, tu peux toujours compter sur moi le week-end, hein. Eh, mais tu sais, hein, quand tu bosses le week-end, c'est du repos. Moi, j'y peux rien, ça me plaît ce que tu fais. Du taureau. Quand je serai là-bas, je la verrai à l'envers. Baby, got me feeling knocked out. Dull as a knife, she left me feeling. Much of all of that life. Montez la chercher. Ne faites pas de bruit. Il faut pas les réveiller, les somnambules. Ils peuvent. Moi, je ne monte pas là-dessus. Je ne peux pas. Allez-y, à quatre pattes. Je ne peux pas. Approchez-vous, doucement. Thank you.
Donnez-moi la main. Ça fait peur que t'aies froid là-haut, tout ça. Non, non, tout va bien. Tendez-moi la main. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Vous la lâchez pas maintenant. Retenez bien. C'est à moi maintenant. Serre-moi dans tes bras, je sens tes rêves pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sens tes rêves pour toi. Laissez-la dormir, je crois qu'elle se souviendra pas. Et j'en arrive à la demande de Monsieur Maréchal, mise en fonctionnement du digicode pendant la journée. Par ce moyen, la cour ne sera plus le lieu de réunion de tous les traits de misère du quartier. Mais vous vous rendez compte que vous mettez à la porte tous ceux qui ont besoin de vêtements. Il faut bien se défendre, nous aussi. Ah bon, bah, vous avez gardé cette saloperie pour la fin de la réunion, alors. Bon, bah, maintenant, on a le choix. On se comporte comme des termites ou comme des êtres humains. Bien, qui est pour le fonctionnement du digicode pendant la journée? Je crois inutile de faire voter les comptes. Moi, je suis contre. Ce n'est pas vous qui endurez ça. C'est la démocratie, mademoiselle. Le règlement de copropriété. Là. Que votre règlement de copropriété stipule libre accès à la cour. Je vous rappelle que tout changement de règlement doit faire à l'unanimité des voix. C'est la loi. Donc, il nous faut remettre aux voix le dernier point. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est ridicule. Écoutez, c'est la loi, c'est la loi. Bon, bon. Alors, qui est contre un changement de règlement? Ah non, mais il n'y a même plus besoin de voter. Il n'y a pas l'unanimité. Le digicode est maintenu en l'état. La séance est levée. Eh bien, moi, j'offre le champagne à tous. Attends. Dis, ce soir, il y a Da Silva qui sort de l'hôpital. Alors, je voulais faire un petit repas chez lui, une surprise. Tu seras avec nous? Mais non. Je t'ai pas dit, je signe ma... promesse de vente cet après-midi. C'est génial, hein? Ah ouais, c'est génial. Ouais, ouais, je fais une fête chez moi, alors ce soir, je pourrais pas. T'es invité, bien sûr. Ce soir, je peux pas, je suis avec Da Silva. Ouais. Enfin, c'est sympa de faire ça le soir de son retour. C'est dommage. Ouais. Et pour aller le chercher à l'hôpital, juste l'aller-retour? Ah bah non, je peux pas. Enfin, faut que je fasse toutes les courses en rentrant. Ouais. Ah, c'est pas grave. Non, mais je me débrouillerai autrement. Excuse-moi. Salut. Habitez près d'une ligne de haute tension ou que vous avez un portable avec vos plombages, hein, et ben, ça fait antenne.
Entrez, monsieur, entrez, entrez, entrez. Mais, il fallait pas. De champagne. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Monsieur Da Silva, ce soir, on fête votre retour. Ah, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Oui, doucement, doucement. Doucement, parce que même quand je bouge le bras, là, c'est... Et à l'hôpital, j'ai bu que de l'eau, alors... Installez-vous sur le canapé. Surtout, ce soir, vous vous laissez servir, monsieur Da Silva. Vous aimez le porto, mademoiselle Julie? Oui. Et vous, monsieur? Je suis pas contre. Attendez, je vais vous aider. Dites-moi où c'est mon métier. C'est sur l'étagère. Vous restez ce soir avec nous, Jocelyn? Je sais pas. J'ai mis votre assiette et puis... Puis j'ai prévu pour trois. Ouais, avec plaisir, ouais. Bah après tout ce que vous avez fait, quand même. Il est très gentil, hein. Il est venu me chercher avec la camionnette. Não venhas tarde. Dizes-me tu com carinho. Sem nunca fazer alarme do que me pedes baixinho. Coração ainda guarda um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem ela. Ça m'étonne pas, les nuits sont fraîches. Eu tenho medo que tu me digas dia. Un verre au Blue Moonlight, ça vous tente? Je prends mon service ce soir. Ça va vous plaire? Un garita et un. D'accord, sinon si vous voulez, je peux vous proposer quelque chose qui n'est pas sur la carte. C'est ce que boit mademoiselle. Et c'est délicieux. Ça s'appelle un Sweet Julie. On avait dit à l'essai, ok? Monsieur Maréchal, prenez cette chaise. Prenez cette chaise, mais oui. Allez, allez, allez. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts, là. Ça va, mais ma promesse de vente. Ah ouais. Il y a juste les vides complétées, là. Et puis les dentiers. C'est tenez, couverture. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi.
pas vous, Da Silva. Vous savez bien que vous êtes en arrêt maladie. Sous chaude, vous se réchauffer le ventre pour pas attraper le froid. Dernier étage, deuxième fenêtre. Vous connaissez les habitants? C'est chez Madame Chartreux. Et il y a le gaz dans l'immeuble? Oui. Tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Qu'est-ce que tu as? Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Mais c'est pas mais il faut que je rentre chez moi. Non, c'est pas possible. Il faut que je rentre chez moi, j'ai quelque chose sur le gaz. Laissez-moi passer. Non, s'il vous plaît. Je suis en retard, j'ai pas entendu mon réveil. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Merci de respecter une minute de silence.